Mesdames et messieurs, bienvenue ce matin en direct et à l'exclusivité sur Congo Live. Nous sommes avec Monsieur Moïse Hangi, militaire de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous qui nous suivent. Je suis Moïse Hangi, militant de la Lucha RDC. RDC? Effectivement, parce que j'ai vu des gars défiler ici et qui s'appelaient militants. Je ne savais pas avec quelle casquette. Et pourtant, nous ne les reconnaissons pas comme étant le nôtre. Mais après, il faut juste noter que Moïse Hangi est de la Lucha RDC. Précision, détail. Mais sans oublier qu'il y a des Lucha. Lucha RDC, que vous faites partie, et la Lucha RDC Afrique. Je vous dis, il existe la Lucha RDC. Et ce qui s'appelle les Lucha RDC Afrique, ce sont des enfants égarés et les restes. Et j'ai été quand même estomaqué de vous voir les présenter ici comme étant des militants de la lutte. Il fallait faire cette précision. Il fallait faire cette précision d'état. C'est très bénéfique aux téléspectateurs. Il fallait appeler les chats par son nom. Il fallait justement préciser. S'il vous plaît, je dis ceci. Vous ne reconnaissez pas, l'existence de la Lucha RDC. Moi, je reconnais qu'il existe la Lucha RDC. D'accord, merci. Tout va bien. En forme. Lucha La Lucha est un mouvement citoyen non violent et non partisan. Un mouvement à leadership horizontal, ça veut dire on n'a pas un président. Et je crois que ce genre de petites notions, vous le maîtrisez. Même nos téléspectateurs savent qu'on n'a pas un président, on n'a pas un porte-parole et tout ce qui suit. Donc nous sommes non partisans. Ce n'est pas l'anarchie, nous sommes organisés en cellule. Le mouvement Lucha, lutte pour le changement, est organisé à l'interne en des cellules. Il y a des cellules qui travaillent sur la communication, il y a des cellules qui travaillent sur la mobilisation, il y a des cellules qui travaillent sur les opérations et les restes, mais il n'y a pas un président. Notre leadership, il est horizontal mais organisé. Jamais la lutte a été proche de Katumbi, ça c'est quand même, ça me fait rire, ça me fait rire, jamais nous sommes, mais notre partisan ça ne vous dit pas quelque chose, ça veut dire nous ne sommes pas contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Vous soutenez qui? Être non partisan ça veut dire que l'on n'est pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un, par contre on peut être pour un système ou contre un système. Un certain moment, nous appelait des jeunes anti-Kabila. Mais parce que Kabila a très mal géré la République, parce que Kabila a voulu glisser, il a voulu certainement aller au-delà du délai constitutionnel. Voilà pourquoi est-ce que nous, avec la population, nous avions dit non, monsieur le président, excellence, nous n'allons pas vous laisser faire. Ah, à l'époque là, vous receviez les fonds de l'Union européenne, c'est ça? Mais ça, c'est du racontard. Ça, on le dit chaque jour. Oh non, Lucha, vous êtes appuyé par l'Union européenne. Mais jamais quelqu'un a déjà mis à la disposition de l'opinion des preuves ou des éléments. Tout ce que je puis vous dire, l'Union européenne ne nous finance à rien. Même les Nations Unies. Voilà pourquoi même nous sommes en train de faire pression à la MONUSCO pour qu'elle puisse partir. Nous faisons pression à l'Union Européenne parce qu'elle appuie les Rwandais de M. Paul Kagame. Comment encore nous dire que cette même Union Européenne nous finance? Ça, c'est un faux débat. Je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Pas question de cartes ou quoi que ce soit. Nous sommes un mouvement très responsable, un mouvement sérieux, un mouvement qui œuvre certainement aux côtés de la République, un mouvement des nationalistes, un mouvement des patriotes, et nous ne pouvons pas certainement nous laisser manipuler par qui que ce soit. D'accord. Je vous mets à défi. En tenue de combat et équipé en tout cas, d'engins de guerre lourds et légers, les militaires de la garde républicaine effectuent ce samedi tout de suite là. Il marche d'endurance à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit selon l'état-major commandement de cette unité d'élite d'un exercice de routine
des conditionnements physiques et des dissuasions pour les soldats. Deux sites ont été retenus pour le départ de cette marche pédestre, les ronds-points Ngaba et l'échangeur de l'Humété. Des régimes blindés partis du rond-point Ngaba traverseront Mongafula et Ipen jusqu'à leur point de chute. Le camp Tchatchi, tandis que la colonne de l'Imete va se déployer sur les boulevards Lumumba et du 30 juin avant de rallier le camp Tchatchi. Cet exercice, ça vous dit quoi? Exercice des routines, comme la dépêche le dit exactement. Donc, c'est une façon pour nos militaires de s'entraîner et de remonter leur morale. Les exercices physiques, même en sport, même en football, vous connaissez certainement qu'ils permettent exactement qu'il y ait cet accroissement de la performance. Donc pour nous, c'est déjà très bon et on espère également que c'est une façon aussi de faire peur à l'adversaire et de lui dire, écoutez, nous demeurons toujours en forme et n'osez pas nous faire... du mal parce que vous risquez d'avoir chaud. Donc pour nous, c'est normal, c'est un exercice de routine et nous félicitons nos militaires à pouvoir faire autant. En quelque sorte aussi, ce que c'est un message qu'on veut lancer à l'ennemi, parce qu'à un certain moment, l'armée a annoncé en tout cas sa montée en puissance. Il y a déjà des équipements qui sont là-bas. Est-ce que c'est un message fort? Très fort, parce que le monde entier et même les pays de M. Paul Kagame qui ne cessent de nous agresser par procuration à travers le M23, sans en quoi est-ce que nous sommes capables. Mais après, ces exercices ne suffisent pas. C'est pour la garde républicaine, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà pour d'autres unités et maintenant démontrer certainement cette performance sur terrain, parce qu'on ne restera pas avec juste des militaires qui nous font de la danse ou qui font ce genre d'exercices. Mais quand il faut combattre l'ennemi, c'est le contraire, ce sont les Oazalendu qui viennent au premier pas. Donc nous pensons que c'est déjà des très bons pas, c'est une bonne chose et il faut maintenant démontrer cette performance sur la ligne de front. Aujourd'hui, tel que nous les voyons, nous les suivons sur les réseaux sociaux, et physiquement, il faut le dire, la voie en tout cas, par rapport à l'équipement, à l'encadrement de l'armée, comment vous analysez avec ce régime de Tshisekedi et au régime passé? C'est cet encadrement que nous avions toujours demandé au gouvernement. C'est quelque chose de très essentiel pour notre armée. On ne peut pas vouloir ou prétendre gagner une guerre avec une armée affamée, avec une armée non équipée, avec une armée non réformée. Voilà pourquoi nous ne cessons d'en appeler au chef de l'État et à tout le gouvernement, à pouvoir songer aussi à nos militaires, à pouvoir songer certainement aux conditions de vie de nos militaires, à pouvoir songer à la logistique de notre armée. On ne peut pas gagner une guerre avec des armes légères. On ne peut pas gagner une guerre quand on n'a pas de logistique. Et c'est pourquoi nous continuons effectivement à rappeler au gouvernement cette responsabilité qui est certainement qui lui revient de pouvoir doter cette armée de moyens suffisants. Et nous pensons que ça va permettre que nous puissions gagner cette guerre. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, devrait en tout cas songer à cela. Et quand on parle de l'armée, il faut préciser en tout cas que l'Union européenne offre 20 millions d'euros à l'armée congolaise et FARDC. Ces fonds pour but en tout cas d'aider à renforcer la 34e brigade d'intervention rapide en fait de défendre les pays. Poison, un cadeau empoisonné, dans le sens que cette même Union européenne a été aux côtés
du 1-23 et du Rwanda de M. Paul Kagame. Après pression, déjà, l'Union européenne se tourne aux côtés de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est pour leurs bons yeux? Non, je pense que c'est juste une façon de vouloir nous flatter. Ça s'appelle flatterie, ça s'appelle cadeau à empoisonner. Et pour nous, nous ne pouvons que même à en appeler au gouvernement à pouvoir boycotter ces cadeaux-là Mais on ne empoisonnés. refuse pas les cadeaux, messieurs. Mais quand c'est un cadeau empoisonné, vous pensez qu'on doit faire quoi avec? Il faut juste dire à l'Union européenne que nous sommes un pays riche, nous ne manquons pas à cet argent. Merci pour les gestes, mais on ne veut pas de cet argent, chers responsables de l'Union européenne. Vous avez soutenu le pays qui nous agresse, vous avez soutenu les groupes armés, les 1-23, certainement, qui nous aidaient, et maintenant là vous dites que vous voulez nous aider avec cet argent. Pour nous c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà pourquoi je pense, à mon humble avis, que le président Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais devraient boycotter cet assistant de l'Union européenne et demander à l'Union européenne d'abord de couper les cordons ombilicaux avec les Rwanda et les M23. Vous savez que l'Union européenne, quand même, c'est l'une des. Donc, c'est, disons, c'est un grand partenaire à la RDC. Hein. Un grand partenaire plutôt au Rwanda et au M23. Parce qu'on parle de l'Union européenne, c'est pas. Hypocrite pour la République démocratique du Congo. Partenaire hypocrite. Mais quand on parle de l'Union européenne, on parle directement à la France, la Belgique. Mais ce sont des pays hypocrites, messieurs les journalistes. Vous avez vu ce que Macron a fait quand il a été ici au pays. Plutôt que de se rendre, par exemple, dans des zones certainement insécurisées ou venir ici, là où il y a des déplacés de guerre, pour compatir avec eux, Macron est parti dans des bistrots. Macron est parti prendre de l'alcool, n'importe quoi avec des. Ce qu'il a fait pour moi, c'était chiant. C'était chiant et je me dis que ce genre de président ne devait même pas piétiner les sols de nos ancêtres. Comment il peut séjourner ici chez nous? On est en guerre, mais le premier pas qu'il fait ou le premier endroit qu'il visite, c'est les bars. Il prend de l'alcool, des castels, n'importe quoi avec l'artiste Fally Ipupa. Donc pour moi, ce sont des inhumés comme Paul Kagame. Je n'attends pas grand-chose de la part de Macron. Selon vous, il faut rejeter la Un France. impérialiste de haut niveau. Selon vous, il faut rejeter la France. Rejeter la France, effectivement, parce que la France, elle est hypocrite, parce que Macron, il est hypocrite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un hypocrite? Vous connaissez un hypocrite? On l'appelle certainement en Swahili Munafiki. Un Munafiki, c'est quelqu'un de très dangereux, messieurs les journalistes. Plutôt que de demeurer ou de fonctionner avec un Munafiki, tant mieux rester avec un ennemi que vous connaissez. Maintenant, là. On connaît au moins que notre vrai ennemi, c'est le Rwanda, c'est le M23. Mais il y a un autre Munafiki, un autre hypocrite qui est héros d'Alom, mais il s'appelle Macron, il s'appelle Union européenne, il s'appelle la Monisco, il s'appelle exactement les Nations unies. D'accord. Alors, on parle de cette visite de Nice du président congolais au Rwanda. D'ailleurs, il faut dire que Paul Kagame l'a décoré, en tout cas. Dans l'ordre national d'honneur, Agathiro, donc pour son leadership exceptionnel et son dévouement à la construction d'une Afrique plus stable et plus prospère, ils sont à Kigali. Ça s'appelle théâtre. Moi, je considère personnellement, certainement, cette visite du président Sassou Nguesso au Rwanda comme un non-événement. Et je pense que nous prenons acte effectivement de son hypocrisie aussi, parce que c'est anormal que Sassou Nguesso puisse s'approcher d'un agresseur, d'un génocidaire, d'un inhumain comme Paul Kagame. Tout ce que nous retenons, c'est que c'est parmi aussi les pays envers lesquels nous allons commencer à traiter avec trop de prudence, et nous en appelons également à nos dirigeants à pouvoir acter. Aussi des relations. Bon, Les relations mais quand vous êtes avec un sont hypocrite, mais vous pensez les qu'on ne relations peut de la pas RDC. vivre avec un hypocrite. Un hypocrite, il est dangereux. Sassou Nguesso se permet, pendant ce moment très volatile, très compliqué, où nos compatriotes perdent des vies, aller présenter ses civilités à un Mais agresseur, c'est le fait à que un vous soyez à génocidaire. fond avec les Rwanda,
Cela, vous voulez que l'ennemi de votre amis du Rwanda, l'ennemi de votre ennemi, il est carrément votre ennemi. Quand vous cohabitez avec notre ennemi, quand vous traitez avec lui, ça veut dire que quelque part même nous, vous mettez en cause notre relation. Et tout ce qu'il faut retenir par là, c'est effectivement ce qu'aussi il voudrait faire passer comme message. Vous pensez qu'il est parti au Rwanda, oublia que les relations entre le Congo et la RDC, alors, parce que lui c'est le Congo Brazza, entre la RDC et le Rwanda sont très très volatiles. Il est parti là-bas, état conscient. Et nous, nous prenons acte, messieurs les journalistes, nous allons commencer à traiter avec le Congo Brazza avec trop de prudence. Et ça, c'est grave aussi. Hein? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, messieurs les gens. C'est simple. C'est plus simple que vous ne pouvez le croire. Je ne sais pas comment l'expliquer pour que vous puissiez parvenir à le comprendre. Mais je pense que je parle dans un français facile. Et c'est facile, en tout cas, de purger ce que j'ai dit. Alors, on va parler, on va revenir sur plusieurs également sujets. Parce que nous sommes jusqu'à avec 5 minutes, on va parler de quelques sujets qui ont marqué également la semaine. D'abord, il faut préciser que le président Tshisekedi est attendu en tout cas au sommet Race Afrique de Saint-Pétersbourg. Voilà. Il fera également un crochet à l'Ukraine pour rencontrer le président Vladimir Zelensky. Zelensky, voilà, Vladimir Zelensky. Donc, le président Tshisekedi sera là, il sera rendu en tout cas d'abord à ce sommet Race Afrique. Je crois que j'ai toujours été parmi ceux-là qui pensent que dans les relations entre États, il n'y a que les intérêts. Et si notre président va également prendre part dans ces sommets, il ne faut que prévaloir nos intérêts. C'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Pas pour autant que on a trop de confiance ou d'espoir envers le côté certainement de la Russie, parce que à l'international on risque d'être déçu par tout le monde. Il faut juste être regardant, il faut être prudent et prévaloir ses intérêts. Je pense que nous ne devons que compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et traiter avec ces pays comme à la normale. Ne pensons pas que c'est la Russie qui viendra résoudre nos problèmes. Poutine lui-même, il n'est pas à mesure de régler la guerre qui est chez lui, de régler les problèmes il qui sont les leurs. C'est lui qui fait la guerre. Exactement. Il fait la guerre, mais ça l'a coûté de la scierie. Et est-ce que pendant que lui, dans sa maison, tout n'est pas réglé, c'est maintenant ici qu'il viendra résoudre les nôtres? Je ne pense pas. Mais quand même, il peut nous aider d'une manière ou d'une autre. Poutine, c'est quand même quelqu'un de pas aussi moindre. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses lorsque l'on traite avec tous ces pays, toutes ces grandes puissances internationales. Et partout là où il passe, là où il y a des gens, c'est militaire. Bon. Sur la milice Wagner, comme les il y a quand même de la stabilité. On voit l'RCA aujourd'hui, ça va au Mali, ça marche. Et d'ailleurs, c'est bien accueilli là par les peuples de ces pays africains. Maintenant, pour nous, c'est compliqué. Est-ce qu'on va faire appel au Wagner pendant que la MONUSCO n'est pas encore partie? Est-ce qu'on va faire appel au Wagner pendant que l'EAC est encore là? Allons-nous faire l'appel au Wagner pendant que la SADC compte aussi venir ici? Il faut d'abord, je crois, arranger certaines choses avant de se lancer dans d'autres. Donc, après, je ne pense pas aussi que Félix puisse se précipiter à faire recours au Wagner, parce que la pression peut-être qui viendra de l'autre côté de la planète ne sera pas la moindre. Il faut juste participer à ces sommets, présenter nos desiderata et beaucoup plus bosser à l'interne. L'extérieur ne vient qu'en aide, mais l'extérieur ne résout rien de grave. Ils sont là, peut-être que la Russie aussi voudra venir exploiter des minéraux ici, la Russie voudra venir aussi exploiter des ressources ici, et après nous laisser, nous abandonner, comme ça a été le cas avec les États-Unis. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus compter sur l'interne plutôt que les aides de l'extérieur. Lesquelles aides ont toujours été certainement empoisonnées. Donc
Il n'y a pas de cadeau dans les relations entre États. Alors, on finit par cette affaire, cher Hébert, parce que c'est toujours d'actualité. C'est quoi un mot par rapport à cela? Pour finir. Cher Hébert, aucun des nous avions été aussi estomaqués d'apprendre effectivement son départ, lequel départ a été très tragique. Et certaines opinions estiment que son décès serait certainement téléguidé. L'assassinat, alors, serait téléguidé par le régime en place. D'autres estiment que non, c'est comme à la normale. Chérubé est parti comme d'autres compatriotes. Peu déjà disent l'opposition, mais je pense que le moment opportun, la vérité pourra jaillir et nous tous, nous serons mis au clair. Merci beaucoup. Moïse, on finit par cette question. On est à Goma, on ne va pas parler ailleurs sans parler de Goma. L'affaire Bellamy fait bruit à Goma. Comment vous analysez cela? L'argent facile conduit toujours vers la ruine, dit-on. Je crois que les dossiers de notre camarade Bellamy Paluku, après c'est un artiste envers qui j'ai trop de respect et trop de considération, j'ai eu à les rencontrer à plusieurs reprises, j'ai eu à participer dans plusieurs de ses performances, c'est quelqu'un de très pertinent, c'est quelqu'un de très créatif dans ce monde-là de la musique. Si la situation dont nous parlons l'est arrivée, je crois que c'est quand même c'est très tragique. Tout ce que je pense, c'est que pour notre part, par exemple, nous, la Lucha, on continue à nous renseigner plus et les moments opportuns, on pourra tenir l'opinion. Pourquoi les victimes ne se prononcent pas? Nous, on continue à se renseigner, tout n'est pas encore mis au clair et les moments opportuns, on pourra éclairer. Si ça s'avère vrai, c'est vraiment chiant, c'est insupportable. Pour ce qu'il a fait. Après, non seulement pour lui, mais pour sa réputation et pour sa personne. Parce que Bellamy, c'est quand même quelqu'un de pas moindre dans cette ville. Nous connaissons les gens de Goma, tout n'a joie en fait. On se connaît ici à Goma et quand ce genre de situation arrive à Bellamy. Ce n'est pas caché. Moi, je n'ai pas l'intérêt à vilipender Bellamy, mais je crois que lui aussi doit se placer du bon côté. Il doit faire en sorte que sa réputation ne soit pas ternie. Il doit arranger avec toutes les victimes. Est-ce qu'il est à Goma? Est-ce qu'il n'est pas? Je ne sais pas. Je peux échanger avec lui, mais je ne suis pas mieux placé pour lui demander là où il est, sa résidence et le reste. Donc à ce niveau, pour nous, la Lucha, on continue à se renseigner par rapport à ces dossiers, on continue à documenter et le moment opportun, nous allons fixer l'opinion par rapport à notre position sur cette situation. Mais j'ai un peu de confiance envers Bellamy et je pense qu'il va se ressaisir. Et les gens qui parlent de la complicité des mouvements citoyens à Goma qui ne veulent pas vraiment trop se prononcer là-dessus. Les mouvements citoyens ne sont pas de mercenaires, les mouvements citoyens ne sont pas des petits diers, on n'est pas censé se prononcer sur tous les dossiers. Après, on ne nous paye pas, nous n'avons pas les mandats de la population, certainement que nous ne pouvons pas voir le mal et nous taire, mais nous pensons que les premières victimes doivent prendre les taureaux par la corne et nous allons les appuyer. C'est à eux de commencer à faire le premier pas et les mouvements, la société civile et toute la ville de Goma, nous allons les tenir main dans la main, mais pas jusqu'à arriver au niveau de dire que nous sommes complices. Nous ne sommes pas complices, nous sommes nos partisans. Nous ne sommes pas pour Bellamy ou contre Bellamy. La lutte n'a jamais été contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons regardé ce Congo Live. Moïse, on se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Merci à vous, merci à tous qui nous ont suivis. À la lucha. Bon week-end à vous. Pareillement, merci.